J'entends une grande partie de mon existence. Il y a eu, en tout cas jusqu'au milieu des années 1980, une opposition entre deux blocs en Europe, et je puis même dire dans le monde, sur la planète. Il s'agissait de l'opposition du bloc soviétique et d'autre part du bloc qui avait fait allégeance aux États-Unis. Depuis maintenant 25 ans, cette opposition a disparu, mais elle a été remplacée par ce que l'on appelle un monde multipolaire, où les superpuissances de jadis ont été remplacées par l'hyperpuissance américaine, mais où toutefois cohabitent d'autres puissances qui ont des capacités nucléaires très importantes, comme la Chine, l'Inde, le Pakistan. Par exemple, il y a aussi la France, le Royaume-Uni. Il y a, semble-t-il, aussi la Corée du Nord, Israël. Et donc, où les dangers semblent être partout présents. L'époque dans laquelle, plutôt sur laquelle nous travaillons déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire l'histoire romaine, a connu une hyperpuissance en Occident qui se manifeste à partir de la deuxième moitié du troisième siècle avant Jésus-Christ, qui se développe et connaît son apogée, en tout cas dans ses conquêtes, au premier siècle avant notre ère. Du au premier et au deuxième siècle de notre ère, suivant cela le conseil d'Auguste qui estimait que l'Empire avait atteint ses limites, et qu'il ne fallait plus se lancer dans de nouvelles conquêtes. Donc, à cette période des deux premiers siècles a succédé une période qui est celle qu'on appelait jadis traditionnellement donc le Bas-Empire, que l'on appelle maintenant l'Antiquité tardive ou la Rome tardive, c'est-à-dire une période qui couvre les 3e, 4e et 5e siècles, où la position de Rome n'est plus comme aux deux siècles qui précédaient Jésus-Christ, une position offensive à laquelle avait succédé une position de stabilité pendant deux siècles, ce que l'on appelle la Pax Romana, mais maintenant, troisième période, donc sous Bas-Empire, c'est une période défensive. Donc retenez bien qu'il y a donc trois périodes en gros. Période offensive, deux siècles. Période, même deux siècles et demi, pendant deux siècles, stabilité, et les trois derniers siècles, période défensive. Si je rappelle ces grandes phases chronologiques de l'histoire de Rome, c'est parce qu'elles sont étroitement liées à l'armée, à l'histoire de l'armée, et que cette armée va connaître une évolution qui est liée, bien entendu, à la situation de Rome pendant donc 8 siècles. Ma problématique sera la suivante, puisque le sujet du cours sera l'armée romaine du 3e siècle avant notre ère au 5e siècle après Jésus-Christ, ma problématique sera donc la suivante. Il s'agira de
comprendre quelle fonction a rempli l'armée. Il y a un petit souci ? Je suis trompé dans les notes ? Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été distrait, mais ça aurait été absurde, évidemment, de voir le 3e siècle avant le 5e siècle, avant Jésus-Christ. Merci de ton petit coup d'œil qui m'a fait réfléchir. Donc, il s'agira tout d'abord de s'interroger sur la fonction de l'armée pendant ces trois périodes. Il s'agira d'essayer de voir quelles ont été ses activités, comment l'armée a été organisée, combien elle coûtait, comment était organisée non seulement l'armée elle-même, mais la vie quotidienne des militaires. Bref, il s'agit non pas de faire une histoire totale de l'armée, ce qui ne serait au-delà de mes capacités, en tout cas en une heure de cours, mais essentiellement d'aborder le phénomène militaire, non pas par le biais de l'histoire bataille, parce que vous savez que je n'aime pas du tout cette approche de l'histoire, sans nier par ailleurs que l'histoire, la guerre a joué un rôle important à toutes les époques de l'histoire, ou à presque toutes les époques de l'histoire, mais parce que, voilà, c'est une question de sensibilité, et je crois qu'à l'heure actuelle, on se penche beaucoup plus sur la vie quotidienne, sur l'économie, sur la société, sur la culture des sociétés passées, plutôt que, comme il y a encore, je dirais, 60 ou 70 ans, l'histoire politique, l'histoire diplomatique, l'histoire des conflits internationaux sur le plan militaire. Et heureusement, parce que l'histoire n'est pas faite que de guerre, elle est faite aussi et d'abord, je dirais, d'économie, de rapports sociaux, d'évolution culturelle et religieuse. Première période, donc, que nous allons considérer ensemble, à savoir l'époque républicaine. Cette époque républicaine, je ne vais pas la traiter dans son ensemble. Les deux premiers siècles et demi de l'histoire républicaine ne seront pas considérés ici. C'est l'époque, comme vous le savez, en tout cas aux deux premiers siècles, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ, une période où Rome conquiert progressivement d'abord le Latium et puis ensuite l'Italie, et que Rome entre véritablement dans le concert international à partir des années 260 avant notre ère, lorsque débutent les guerres puniques, c'est-à-dire les guerres de Rome contre les Carthaginois. Ces guerres qui vont pratiquement s'étendre sur une soixantaine d'années. Ensuite, il y aura la conquête du bassin oriental, puis du bassin occidental de la Méditerranée. Que faut-il retenir du point de vue d'histoire militaire pour cette époque ? Tout d'abord, la composition sociale de l'armée. À cette époque-là, en tout cas au début de la période considérée, les militaires, ce sont les citoyens qui appartiennent aux quatre premières classes censitaires. Autrement dit, c'était vos niveaux de revenus qui déterminaient si oui ou non vous alliez appartenir à l'armée. Il se fait que pendant les guerres puniques, la classe supérieure et en particulier la classe sénatoriale a été extrêmement touché sur le plan démographique. Donc, progressivement, il va y avoir une modification dans la composition de l'armée romaine, mais ce sera assez tardif, il faut attendre 107
avant notre ère, lorsque Marius décide d'ouvrir l'armée aux classes populaires. Il y aura encore, on va le voir, à l'époque de l'Empire, d'autres éléments, une évolution dans le recrutement des militaires. Quel est l'avantage, à l'époque considérée, donc du milieu du IIIe siècle à la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ, quel est l'avantage et quels sont les inconvénients d'être militaire? Le service militaire, tout d'abord, est long, entre 5 et 15 ans, mais il est nettement plus court que ce qu'il sera plus tard sous l'Empire, puisque ça ira de 20 à 25 ans sous l'Empire. Donc tout est relatif. Les avantages lorsque vous êtes soldat, c'est que au moment des conquêtes, les militaires ont leur part de butin, quel que soit d'ailleurs leur grade dans l'armée, mais bien entendu à des niveaux différents. Donc l'armée, faire carrière à l'armée est un moyen de s'enrichir, mais d'abord de survivre. Cela a également comme conséquence, c'est qu'il va y avoir un détachement progressif des militaires, qui sont des citoyens, comme je vous l'ai dit, par rapport à la vie civique. Autrement dit, un nombre croissant de citoyens romains ne participeront plus à la vie politique à Rome, à une époque où le pouvoir se personnalise de plus en plus, à une époque où on va passer d'une oligarchie à une monarchie plus ou moins déguisée, voire la dictature à certains moments, avant, à l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'inaugurer le Principat, c'est-à-dire l'époque impériale avec Auguste. Quelques éléments maintenant sur les batailles. Je n'aime pas l'histoire bataille, je vous l'ai dit, mais rien de tel quand même que de retourner dans les textes originels pour voir, enfin les textes, les sources autrement dit, les sources d'époque, pour comprendre comment fonctionnait l'armée et pour avoir quelques indications aussi sur les victoires et sur les conséquences que pouvaient avoir justement ces batailles donc à l'époque de l'époque républicaine. Il y a une différence majeure entre la phalange macédonienne et d'autre part la légion romaine. La légion romaine qui fait à l'époque qui nous intéresse grosso modo 5000 hommes. La phalange macédonienne comprend des soldats armés de longues lances, mais qui sont alignés sur une seule rangée. Tandis que les Romains, et c'est ce qui va leur permettre de l'emporter sur les phalanges macédoniennes, lors des guerres macédoniennes, justement, de la fin du 3e siècle, du 3e siècle avant notre ère, et dans la première moitié du 2e siècle avant notre ère. Il y a eu plusieurs, donc, guerres macédoniennes. Cela va conduire, d'ailleurs, à la défaite définitive de la Macédoine, à la bataille de Pydna. Les légions romaines
à l'inverse des phalanges macédoniennes, comprenait plusieurs rangs, et lorsque un rang venait à défaillir, c'était le rang qui était derrière qui prenait la première place, mais il n'y avait donc pas une fuite en arrière générale. Quand il y avait repli, ça se faisait en bon ordre. D'ailleurs, tout à fait logiquement, c'était les soldats les plus vaillants, donc les jeunes en fait, qui étaient devant, tandis que les militaires plus âgés se trouvaient au troisième rang. Ça paraît être le bon sens. Je vais vous lire un passage de Polybe. Vous vous souvenez, Polybe, c'est cet historien grec qui est devenu un esclave des Romains. Il a été étonné par l'efficacité des conquêtes romaines et il en a écrit des histoires. En grec, bien sûr, et c'est un passage tiré donc de la traduction française de Roussel à la bibliothèque, dans la bibliothèque de la Pléiade, que je vais vous lire tout de suite. Il s'agit donc d'un extrait du livre 18, chapitre 32. Ça se trouve à la page 862 dans l'édition que j'ai devant les yeux. Au lieu de ranger leurs troupes sur une seule ligne et d'engager toutes les régions dans un combat de front contre les phalanges, les Romains gardent quelques unités en réserve pendant que les autres affrontent l'ennemi. Et en fin de compte, soit que la phalange ait refoulé les troupes qui lui étaient opposées, soit qu'elle ait été refoulée par elle, la formation qui lui est particulière, se trouve être rompue. Et vous avez ensuite, toujours dans ce chapitre 32, toute une série de considérations sur la tactique des Romains face aux Grecs, aux Macédoniens plus particulièrement. Autre texte que je vais vous lire, cette fois-ci, c'est tiré d'un auteur que j'ai déjà lu, je crois, à d'autres occasions, c'est toujours dans la bibliothèque de la Pléiade, c'est Tite-Live. Donc c'est tiré d'un recueil qui comprend à la fois l'histoire de Tite-Live et les ouvrages historiques de Saint-Just. Je vous ai expliqué dans le cours sur l'historiographie latine du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle après notre ère, que Tite-Live, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque d'Auguste, avait écrit une histoire romaine des origines de Rome, donc du milieu du 7e siècle, date légendaire, 753, de la cité, jusqu'en 9 avant Jésus-Christ, qui correspond à la mort de Drusus. Je vous lis un passage qui est tiré de son histoire romaine, livre 22, chapitre 39. Il s'agit ici d'un discours d'un général romain lors des guerres puniques, de la seconde guerre punique plus précisément, donc de 218 à 201 avant notre ère, la seconde guerre punique, lors de laquelle il y a un conflit avec le général des Carthaginois qui s'appelle Hannibal. Et donc c'est un extrait d'un discours que je vous lis. Nous faisons la guerre en Italie, sur notre sol, donc c'est un Romain qui parle bien sûr, dans notre pays, autour de nous, partout, des concitoyens, des alliés, armes, soldats, chevaux, vivres, ils nous les fournissent. Ils nous les fourniront toujours. Déjà dans notre malheur, ils nous ont donné cette preuve de fidélité.
Le temps travaille pour nous. Chaque jour nous rend plus forts, plus fermes, plus prévoyants. Hannibal, au contraire, combat en terre étrangère et ennemie, où tout lui est hostile, où tout se dresse contre lui, loin de sa patrie, de ses foyers. Il ne trouve de paix ni sur terre ni sur mer, nulle part une ville, des remparts pour l'abriter, nulle part rien qui soit à lui. Il vit de pillage au jour le jour. À peine lui reste-t-il le tiers de l'armée avec laquelle il a franchi l'Èbre. L'Èbre qui est donc ce fleuve qui se trouve au nord de l'Espagne. La faim lui a tué plus d'hommes que le fer. Il ne peut même plus nourrir les débris qui subsistent de ses troupes. Peut-on douter qu'en demeurant immobile, nous n'ayons pas la certitude d'achever un homme qui, tous les jours, tel un vieillard, s'affaiblit de plus en plus, manquant de vivres, de renforts, d'argent. Depuis combien de temps déjà se tient-il devant Géronium, une misérable bourgade comme il se trouvait devant les murs de Carthage? Mais je ne veux pas me faire valoir moi-même. Vois plutôt comment les derniers consuls, Servilius et Attilius, se sont joués contre lui. Ce type de discours, en fait, va être repris dans la suite de l'historiographie. Je dis bien, ce sera presque un topos, c'est-à-dire un lieu commun que d'utiliser les discours pour relater la stratégie qui était menée par les généraux romains en particulier. Je vous rappelle le cours que nous avions eu ensemble sur l'historiographie grecque du 5e siècle avant notre ère, c'est un cours sur Hérodote et Thucydide, et je vous avais expliqué que Thucydide était très friand de ce genre de discours. Donc on retrouve cela chez Dictyve, et j'ai eu l'occasion récemment de faire un cours sur l'historiographie en Italie du 14e au 16e siècle. Et bien là aussi, au 15e siècle par exemple, Dictyve est un modèle sur le plan littéraire pour les historiens, et ce type de discours va se retrouver souvent. Enfin, pour la fin de la période républicaine, je voudrais vous lire un extrait de La guerre des Gaules de Jules César, dernier Flammarion, et un passage célèbre où il relate les derniers jours de Vercingétorix, les derniers jours où les Gaulois sont assiégés dans la forteresse d'Alésia, qui va marquer leur défaite finale. Je vous rappelle que la guerre des Gaules s'étend entre 58 et 51 avant notre ère, et voilà ce qu'il écrit. Donc, c'est la fin du siège d'Alésia, juste avant le moment célèbre où Vercingétorix est livré à César, mais ce n'est pas lui, comme on le voit dans Astérix, qui jette ses armes devant César. Non, il était entravé, évidemment, et on jette les armes de Vercingétorix, les armes des chefs gaulois, devant César, mais ce n'est pas Vercingétorix lui-même. Hein. C'est pour ça que les textes sont quand même précis à ce moment-là. Je vous lis cet extrait. Donc c'est le livre 7, chapitre 88. César se hâte pour prendre part au combat. Son arrivée se fait connaître par la couleur de son vêtement, ce manteau de général qu'il avait coutume de porter dans les batailles et, à la vue des escadrons et des cohortes dont il s'était fait suivre, car des hauteurs on voyait les pentes et les descentes, les ennemis engagent le combat. Une clameur s'élève de part et d'autre, à laquelle répond la clameur qui monte de la palissade et de tous les retranchements. Nos soldats, donc les Romains, renonçant au javelot, combattent avec le glaive. Tout à coup, notre cavalerie se montre sur les derrières de l'ennemi. D'autres cohortes approchaient. Les Gaulois prennent la fuite. Nos cavaliers leur coupent la retraite. Le carnage est grand. Cédulius, chef et premier citoyen des Lémovis, est tué. L'arverne Vercassime... Attendez, parce que là, c'est un nom compliqué à lire, hein. Vercassivelone est pris.
esprit vivant en train de fuir. 74 enseignes militaires sont apportées à César. D'un si grand nombre d'hommes, bien peu rentrent au camp sans blessure. Apercevant de leur place forte le massacre et la fuite de leurs compatriotes, désespérant de se sauver, les assiégés font entrer les troupes qui attaquaient nos retranchements. À cette nouvelle, les Gaulois s'enfuient aussitôt de leur camp. Si nos soldats n'eussent été harassés de si nombreuses interventions et de toute la fatigue de la journée, toutes les forces de l'ennemi eussent pu être détruites. Un peu après minuit, la cavalerie lancée à leur poursuite atteint l'arrière-garde. Une grande partie est prise ou massacrée, les autres, ayant réussi à fuir, se dispersent dans leur état. Et c'est donc au chapitre suivant, au chapitre donc 89, que donc Vercingétorix décide de se rendre et est livré donc à César et jette devant lui les armes. Si j'ai lu ce texte, c'est parce que je le trouve particulièrement vivant. On a l'impression vraiment d'être dans la bataille à ce moment-là et de voir ce qui se passe. Hein. C'est presque même une scène cinématographique pour moi. On est vraiment dedans. Mais ce qu'il faut faire toujours avec vos élèves, surtout si avec des élèves de première ou de troisième secondaire, donc des élèves de 12 ou de 14 ans, disons, vous travaillez sur les Gaulois et sur les Romains, c'est qu'il faut prendre les textes, bien entendu, hein, parce qu'il y a tellement d'images d'Épinal, il y a tellement de choses qui ne sont pas justes. Alors le but, ce n'est pas tellement de trouver les choses justes, quoique ce n'est pas sans intérêt, bien entendu. Mais c'est surtout de faire travailler les élèves de telle manière qu'ils acquièrent un esprit critique. Donc, vous montrez une vignette d'Astérix où on voit Vercingétorix en train de jeter ses armes sur les pieds de César, et alors on le voit même hurler dans Astérix, il est en train de crier parce que Vercingétorix a jeté les armes sur ses pieds, et alors de comparer le texte du chapitre 89, donc du livre 7 de la guerre des Gaules, et là on voit quelque chose qui n'est pas vraiment présenté comme ça. Tout cela est donc destiné à développer leur capacité à se poser des questions et surtout à retourner aux sources, qui ne prennent pas pour argent comptant ce qu'on leur dit, hein, ce qu'ils voient, voilà. Et l'essentiel, c'est surtout, lorsqu'ils regardent la télévision, ils se rendent compte que voilà, il faut comparer les sources, il faut aller au texte original. Ceci dit, pourtant, César n'est pas une source neutre, bien entendu, c'est quelqu'un qui fait sa propre propagande. Mais en l'occurrence, ici, pour cet événement précis, les choses ont dû se passer comme ça. Pour le reste, bien entendu, il écrit pour les Romains, parce qu'il prépare son retour à Rome, et ça va lui permettre d'être donc dictateur donc, dans les dernières années de sa vie. Et ça va lui coûter cher, puisque lorsque le complot va être organisé contre lui, et le complot qui lui sera fatal, il va être accusé de vouloir accaparer les lauriers royaux pour lui. La couronne royale, le diadème en fait, pas les lauriers, c'est le diadème royal pour lui-même. Voilà. Donc quelques textes que je voulais vous lire parce que c'est intéressant toujours. Donc Polybe, enfin dans l'ordre, c'est d'abord Tite-Live qui vit plus tard mais qui relate les derniers combats d'Hannibal, fin 3e siècle, même si Tite-Live vit au 1er siècle avant notre ère. Ensuite je vous ai lu Polybe qui vit au 2e siècle et qui explique les avantages de l'armée romaine, de la légion romaine quant à sa disposition face aux phalanges macédoniennes. Et enfin, je vous ai lu ce passage de Jules César, la guerre des Gaules, où on voit ce que c'est qu'un siège, même si mon extrait était très court, de ce que c'est qu'un siège. Donc la guerre de siège existe à cette époque-là, donc il ne faut pas imaginer. Et d'ailleurs, ça a été une des causes de la défaite des Romains, c'est qu'en fait, c'était une civilisation développée. C'est que justement, ils avaient des villes fortifiées, des oppidas, hein, qui existent déjà depuis la fin du 3e siècle, surtout au 2e siècle, 1er siècle avant notre ère, les Gaulois ont des oppidas. Et c'est un
plus, si vous voulez, sur le plan défensif, mais c'est aussi un gros inconvénient, c'est que les Romains vont pouvoir conquérir la Gaule parce qu'ils mènent des guerres de siège, comme à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Vauban, voilà. Donc, tandis que les Germains vont connaître un tout autre sort, puisque ce sont des sédentaires aussi, mais ils n'ont pas de place forte, les Germains. Et par conséquent, la Germanie, elle ne sera que très partiellement conquise par les troupes d'Auguste. Et vous connaissez, bon, la fameuse tirade d'Auguste, hein, « Vare, vare, ubi, miti, legiones », hein, donc c'était le général des légions romaines en Germanie, « Qu'as-tu fait de mes légions ?» puisqu'il s'est fait battre en neuf de notre ère à la bataille de Teutoburgerwald. Donc, parce que justement, là, ce n'était pas une guerre de siège. Les Romains étaient beaucoup plus forts dans les guerres de siège et ils avaient une technologie qui leur permettait de se battre aussi. Ils avaient des catapultes, ils avaient des engins, des armes de jet, voilà, ils avaient tout un système. Ils creusaient des fossés tout autour de la ville assiégée. Il y avait l'équivalent des barbelés aujourd'hui, c'est-à-dire des choses trappes où il y avait, vous savez, des pics qui étaient enfoncés dans le sol qui empêchaient la cavalerie ennemie de charger. Sinon, les chevaux étaient empalés véritablement. Donc, vous voyez, il y a toute une... Quelque part, donc, les Gaulois ont perdu, entre autres, hein, c'est pas la seule raison, il y avait aussi la division, évidemment. Les Gaulois, c'était une armée de fédérés, en fait. Hein, il n'y avait pas de pouvoir unique, hein, c'était des roitelets, des tribus, des peuples plus exactement, qui s'étaient coalisés contre les Romains. Et il y avait aussi d'ailleurs des Gaulois du côté de César, il ne faut pas oublier. Mais enfin, ces guerres de siège ont permis, hein, justement, à Jules César d'accélérer certainement les choses. Ça n'aurait pas été si simple si les Gaulois avaient été plus sauvages. Ce n'étaient pas des sauvages du tout, les Gaulois. Maintenant, passons au Haut Empire. Le Haut Empire. Alors, le Haut Empire, c'est la période qui couvre les 1er et 2e siècles de notre ère. On peut aller jusqu'à la fin des Sévères, si vous voulez, jusqu'en 235. Hein. Fonction et activité de l'armée, tout d'abord. La fonction de l'armée n'est plus de conquérir. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ces derniers cours, à part quelques territoires comme la Bretagne à l'époque de Claude, ou comme la Dacie à l'époque de Trajan, ce n'est plus une époque de conquête. Auguste lui-même avait d'ailleurs recommandé dans son testament de ne plus conquérir. L'Empire était censé avoir trouvé ses frontières naturelles, entre guillemets. Les frontières naturelles sont toujours des frontières avant tout politiques, comme vous savez. Donc, la fonction de l'armée est de protéger le territoire. Ce n'est plus de conquérir, c'est donc de protéger le territoire à une époque que l'on appelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la fameuse période de la paix romaine, de la Pax Romana. Donc à l'époque des Julio-Claudiens, des Flaviens et des Antonins. Lorsque nous avons étudié la semaine passée l'administration de l'Empire romain, je vous avais expliqué qu'il existait des provinces impériales, des provinces sénatoriales, entre autres choses, et je vous avais expliqué surtout que les provinces sénatoriales constituaient le cœur de l'Empire, tandis que les provinces impériales, c'était des territoires qui correspondaient à des territoires plus récents, et par conséquent, les légions impériales se trouvaient là, alors que dans les provinces sénatoriales, c'était des cohortes qui étaient là essentiellement pour le maintien de l'ordre, quoique ce maintien de l'ordre n'ait pas toujours été évident, comme on va le voir bientôt. Le rôle de l'armée, à l'époque qui nous intéresse, est essentiellement un rôle dissuasif. Autrement dit, la présence militaire dans les provinces... Noël, ça va aller? Parce que j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Ça va? Ok, tant bien. Okay. J'ai l'impression que tu allais tomber. Le rôle donc de l'armée est essentiellement dissuasif. Pensez un petit peu à ce qui se passe dans nos pays depuis tous les attentats.
Il y a donc l'état d'urgence qui a été décrété en France et en Belgique également, même si le terme n'est peut-être pas exactement le même dans les deux cas. Et on trouve, on voit des militaires un petit peu partout. En tout cas, pour moi qui habite Bruxelles, on voit un petit peu partout des militaires. À Paris, c'est la même chose et dans les grandes villes françaises. Donc, il est très clair que l'armée, par sa présence, n'a pas pour fonction d'abord de désarmer les terroristes, même si c'est son rôle officiel, bien entendu. Elle est là essentiellement pour les dissuader et aussi, faut-il le rappeler, pour des raisons politiques, il s'agit de rassurer la population pour dire, vous voyez, nous sommes là. Vous êtes bien d'accord que l'armée qui circule dans les rues n'est pas là pour se lancer dans des opérations de conquête de quoi que ce soit, ni dans des opérations de police, pas mission d'ailleurs, de réprimer des manifs ou des choses comme ça. Non, ça, il y a des policiers qui sont des gendarmes qui sont chargés de cela. Donc, quand je parle de dissuasion, vous avez bien compris qu'il s'agit de montrer que l'État romain tout-puissant est bien présent, qu'il ne sert à rien de provoquer le pouvoir, et que s'il y a des incidents, des émeutes, eh bien, l'empereur ou le gouverneur de la province, qui est son délégué, n'hésitera pas à utiliser l'armée pour réprimer les populations. On peut dire qu'en gros, les émeutes et les révoltes furent rares. Donc on peut considérer qu'il y a eu, aux deux premiers siècles de notre ère, une forme d'adhésion des populations conquises qui ont acté le fait qu'il y avait des conquérants, que les territoires de l'Empire faisaient partie d'un vaste territoire sous l'autorité d'un empereur et que finalement, à bien considérer les choses, il n'y avait pas intérêt à se révolter, que la Pax Romana finalement avait quelque chose de positif puisqu'elle permettait à chacun de se sentir en sécurité, d'avoir un sentiment de paix, de faire du commerce aussi, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des périodes de répression où les révoltes ont-elles eu lieu. Il y a eu des révoltes au 1er siècle de notre ère, encore au tout début du 1er siècle de notre ère, en Gaule. Il y en a eu également en Thrace. La Thrace, je le rappelle, c'est cette région qui se trouve au nord-est de la Grèce et qui correspond d'ailleurs un petit peu à la Turquie d'Europe aujourd'hui. C'est ça la Thrace. Je vous rappelle d'ailleurs que Spartacus, le chef ces esclaves révoltés entre 73 et 71 avant Jésus-Christ étaient en Thrace. Et puis, il va y avoir des révoltes en Galilée et en Judée, qui correspondent aux territoires, à des territoires qui seraient inclus aujourd'hui dans l'État d'Israël. Alors, il y a eu trois révoltes successives. Est-ce que je vous en ai parlé? Oui, je crois vous en avoir parlé d'ailleurs au cours précédent. Des révoltes en Galilée et en Judée, me semble-t-il. Donc je ne vais pas y revenir trop longtemps. Sachez simplement que même malgré l'alliance qui était passée entre Auguste, Tibère aussi, et d'autre part la dynastie asmonéenne, c'est-à-dire la dynastie du roi Hérode, qui est connue par la Bible, par les évangiles plus précisément, puisqu'il vit à l'époque du Christ, de Jésus, il n'en demeure pas moins qu'il y avait des tensions. Des tensions, je vous ai parlé de tensions dans le cadre du cours sur le pouvoir et la religion à cette époque-là, mais je vous ai dit en fait que le fond du problème est un problème politique, parce que les Romains ne sont pas intolérants sur le plan religieux. Eux, ils acceptent toutes les religions, à condition qu'il n'y ait pas évidemment
incompatibilité sur le plan politique. Dès lors qu'une communauté, sur le plan politique, sous prétexte, ou même pas sous prétexte, convaincue que la religion n'est pas compatible, et qui, dès lors qu'une communauté décide de s'opposer à Rome, là, Rome intervient très clairement, mais de nouveau pour des raisons politiques, pas pour des raisons religieuses. Eh bien, ça va être le cas justement en Galilée et en Judée. Il y a eu plusieurs révoltes successives. Ici, puisque j'ai déjà parlé de plusieurs de ces révoltes, je ne parlerai que de la guerre des Juifs qui s'étend entre 66 et 73 de notre ère, donc c'est-à-dire qui s'étend sur 7 ans. Le point de départ, en fait, c'était la décision d'un procurateur, c'est-à-dire un gouverneur de second rang, de prendre l'or du temple de Jérusalem. Parce qu'ils estimaient que les Juifs devaient contribuer, que le temple de Jérusalem, qui était riche, devait contribuer à l'effort de l'Empire romain. Ceci a déclenché une révolte qui s'est transformée, révolte de la population, qui s'est transformée en guerre, véritablement. Cette guerre, j'ai eu l'occasion de vous en parler précédemment, et je vais vous lire ici un extrait de la guerre des Juifs contre les Romains de Flavius Joseph. Ici, l'édition que j'ai, c'est une édition chez Lydis. La traduction est due à Arnaud d'Andilly, qui est ce janséniste français du XVIIe siècle. Et je vais vous lire la fin du siège, donc Arnaud d'Andilly. Donc c'est une vieille traduction, mais qui a été modernisée en français moderne. Alors, je vais vous lire le livre 7, chapitre 35. Un extrait du moins. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'en 73, lors de cette révolte, les juifs révoltés s'étaient réfugiés sur une hauteur qui était la forteresse de Massada. Et que plutôt que de devenir les esclaves des Romains, ils avaient décidé de se suicider. Eh bien, je vais vous lire ce passage qui, dans l'édition que j'ai ici, se trouve aux pages 316-317. Donc, deux extraits. Hein. Alors, donc, les Juifs sur place embrassèrent leurs femmes et leurs enfants, leur dirent en fondant en pleurs les derniers adieux, leur donnèrent les derniers baisers et, comme s'ils eussent ensuite emprunté des mains étrangères, ils exécutèrent cette funeste résolution en leur présentant la nécessité qui les contraignait de s'arracher ainsi le cœur à eux-mêmes, en leur arrachant la vie pour les délivrer des outrages que leur auraient fait souffrir leurs ennemis. Pas un seul ne se sentit affaibli dans une action si tragique. Tous tuèrent leurs femmes et leurs enfants, et dans la persuasion qu'ils avaient que l'état où ils étaient réduits les y obligeait, ils considéraient cet horrible carnage comme le moindre des maux qu'ils devaient appréhender. Par la suite, alors, on voit que les hommes entre eux, à un moment donné, doivent s'entretuer entre eux. Il y en a qui sont tirés au sort, qui sont chargés de tuer les autres, et puis il n'en reste plus qu'un, finalement. Et lui se suicide directement. Hein, pas le choix, puisqu'il n'y a plus personne d'autre. Je vous laisse, je vous passe tout ça. Le lendemain, dès la pointe du jour, les Romains firent des ponts avec des échelles pour aller à l'assaut. Et personne ne paraissant, mais le feu étant la seule chose qui faisait du bruit, oui, parce qu'ils ont mis le feu là, au moment du suicide, ils ne pouvaient s'imaginer la cause de ce grand silence. Ils firent jouer le bélier et jetèrent de grands cris pour voir si quelqu'un ne répondrait point. Aussitôt, les deux femmes, parce qu'il y a deux femmes qui avaient fui le suicide collectif et qui s'étaient cachées, sortirent des aqueducs et leur apportèrent tout ce qui s'était passé. Ils eurent peine à y ajouter foi, tant une action si extraordinaire leur paraissait incroyable, travaillèrent à éteindre le feu et arrivèrent jusqu'au palais.
Alors, voyant cette grande quantité de morts, au lieu de s'en réjouir en les considérant comme ennemis, il ne pouvait se lasser d'admirer que par un si grand mépris de la mort, tant de gens eussent pris et exécuté une si étrange résolution. Voilà, je crois que ça valait la peine d'être lu, parce que même si ce n'est plus de l'histoire militaire, en tout cas pour la... Oui, on est en plein, c'est une guerre. Mais voilà, à un moment donné, le meilleur moyen de résoudre le problème, comme vous savez, c'est de supprimer les données. Hein. Si vous avez un souci dans la vie, souvent c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Je ne dis pas maintenant que vous devez vous suicider, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que, souvent vous connaissez l'expression, hein, le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est de supprimer les données. Souvent, on se fait des mondes, de tas de choses, et puis on se dit, oui, mais si je supprime telle et telle donnée dans mon équation problématique, finalement, ça peut se résoudre facilement. Et en tout cas, c'est ce que les Juifs, en tout cas, ont décidé à ce moment-là. Plutôt que d'être fait prisonnier et devenir esclave, ben, tuons-nous nous-mêmes, au moins, nous allons au-devant de notre sort, et ce sera plus doux pour nous de mourir libre plutôt que de vivre plus longtemps comme esclave. C'est un choix existentiel, ça c'est vraiment un choix existentiel, mais voilà. Ça ressemble un petit peu à, je vous avais parlé, même la secte du Temple solaire, je crois, non, enfin il y a quelques, enfin il y a longtemps, maintenant il y a peut-être 20 ans, je crois. Il y avait une secte comme ça, je crois que c'était en Suisse, qui avait décidé, ils avaient tous décidé de se suicider. Voilà, il y a des phénomènes comme ça, un petit peu étranges. Mais pour ça, il faut effectivement être dans un groupe très soudé, très sectaire aussi. Hein. Ça ne se fait pas entre des gens qui n'ont pas des liens très très proches. Il faut que ce soit un groupe très très homogène, hein, pour que ça puisse se passer. Voilà, ceci dit, il y a des phénomènes étranges, comme vous savez, à 100 mètres d'ici, même pas à 50 mètres d'ici. Il y a eu quelques années un drame terrible. Elle va d'ailleurs sans doute être libérée maintenant, Geneviève l'Ermite. Donc c'est la rue qui est parallèle, c'est la rue de l'école, en fait, tout simplement, c'est la rue de l'école. Donc rue Émile Van der Weyde, il y a eu une mère qui a égorgé ses 5 enfants. Voilà. Et puis elle a été condamnée à Nivelles, oui, ici, à côté. Donc, voilà. Et alors maintenant, il est question, elle a demandé à pouvoir être libérée anticipativement. Moi, je n'ai pas compris comment on n'a pas déclaré dérangée. On a considéré qu'elle était lucide au moment où elle égorgeait successivement ses 5 enfants en les prenant un par un toutes les demi-heures. Moi, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas un problème si grave. Mais bon, je ne suis pas compétent, mais enfin, le tribunal a décidé qu'elle voilà, était consciente de ce qu'elle faisait. Ça me paraît tellement incroyable que bon. Enfin, bon, mais, donc c'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est de l'ordre du possible. Et c'était pour les sauver, hein. Donc c'était pour les sauver, pour éviter qu'ils ne souffrent. Donc elle a décidé de les... Voilà. Donc c'est une situation qui psychologiquement est, dans la... est semblable à celle qui est décrite ici. Maintenant, l'organisation et le coût. L'organisation et le coût. Pour l'époque du Haut Empire, hein, nous avons déjà vu tout cela pour l'époque précédente. D'abord les effectifs. Pour le Haut Empire, vous devez considérer qu'il y avait entre 150 000 et 200 000 militaires. À l'époque du Bas-Empire, on le verra plus tard, l'armée romaine ira jusque 450 000, mais c'est une période où Rome sera sur la défensive. Mais je le répéterai bien sûr dans, un petit peu plus tard, la quantité ne va pas compenser la mauvaise qualité des troupes, car vous savez, pour défendre un territoire, pour faire la guerre, il ne suffit pas d'avoir le nombre, il faut avoir des soldats bien entraînés, motivés, voilà. Donc ce n'est qu'une des composantes, le nombre. La qualité est évidemment tout à fait essentielle. Alors la composition sur le plan social va évoluer, puisque le volontariat, qui existait depuis Marius, hein, je vous le rappelle, puisque les pauvres pouvaient, ou les classes populaires avaient la possibilité de s'engager dans l'armée, ce n'est plus simplement comme les quatre premières classes censitaires, les plus riches, les plus fortunés, si je veux dire, à Rome,
qui était dans l'armée. Donc, à partir du Haut Empire, on va avoir une situation où le volontariat ne suffira plus. Et par conséquent, il va falloir faire appel à la conscription, à raison de 10%. À cette époque, deux caractères de l'armée se dégagent. Tout d'abord, une professionnalisation. Professionnalisation, ça veut dire que vous n'avez plus comme avant une armée qui était temporaire sous la République. On levait l'armée pour une campagne. Ici, au Haut Empire, vous avez une armée dont les soldats sont militaires à vie. C'est leur métier, véritablement. Comme chez nous, à l'heure actuelle, vous savez, il y a une armée de métier en Belgique. Mais vous n'avez plus le service militaire comme à mon époque, quand j'étais jeune, hein, où il y avait une levée en fonction des classes d'âge, où pendant un an, vous étiez donc appelé sous les drapeaux. Donc il n'y a plus ce système-là. Maintenant, c'est une armée de métier, mais ce sont évidemment des gens qui sont beaucoup plus compétents, entraînés. Voilà. Là, on a misé sur la qualité, non plus sur la quantité. La situation n'est plus la même. À l'époque, c'était l'époque de la guerre froide. Hein. Moi, quand je sortais de l'université, maintenant, les choses ne sont plus les mêmes. Quoique, certains voudraient rétablir quand même, face au danger, un service militaire qui soit peut-être obligatoire, peut-être plus aussi long. Certains, ben je crois que Macron lui-même, il parle d'un service d'au moins un mois, c'est ça? Sauf erreur de ma part. Je ne sais plus si c'est un service civique ou un service militaire, mais je crois qu'il y aurait quand même une initiation aux armes, me semble-t-il. Hein. Mais en tout cas, il voudrait retourner donc à un service au moins civique d'un mois, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. À côté de la professionnalisation, il y a un deuxième trait, c'est la sédentarisation. Autrement dit, les militaires vont être, on pourrait dire aujourd'hui, encasernés. Donc il va y avoir des camps permanents, des casernes quoi. Tandis qu'auparavant, les militaires, ben, ils allaient d'un lieu à un autre en fonction des campagnes militaires. Dorénavant, vous allez avoir, vous comprenez bien, on est à une époque où l'Empire est, territorialement parlant, stabilisé. Il ne s'agit plus de conquérir des territoires, il s'agit de protéger les territoires. Et donc, voilà, il y a des militaires qui sont dans telle et telle région, plutôt évidemment dans les régions où la menace est sérieuse, c'est-à-dire le long du Rhin et du Danube, pour la partie occidentale de l'Empire, quoique le Danube aussi dans la partie orientale, bien sûr, et alors à proximité de la Syrie où menacent les Parthes, hein, qui ont créé un empire qui va durer aussi 4 siècles, du 2e siècle avant Jésus-Christ, au 2e siècle après. Et puis après, vous aurez, à partir du 3e siècle, les Sassanides, une autre dynastie, mais les Parthes vont être la grande menace à l'est de l'Empire romain, les Parthes et les Perses, hein, les Perses. Au nord, ce sera les Germains, bien sûr. En ce qui concerne l'organisation de l'armée et leur localisation, je vais vous lire un passage de Tacite. Tacite, les Annales, j'ai déjà lu des extraits lors de cours précédents, donc j'utilise la petite collection Garnier Flammarion, d'après la célèbre traduction de Burnouf, revue par Bornec. Alors, je prends ici les Annales, donc, livre 4, chapitre 5. Chez moi, ce sont les pages 183-184. Alors là, vous allez voir où l'armée romaine est disposée sur l'ensemble de l'Empire. N'oubliez pas que Tacite, lui-même, vit hein, dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère et au début du 2e siècle de notre ère. Hein. Il vit vraiment à l'époque du Haut Empire. L'Italie sur l'une et l'autre mer, vous comprenez, l'Italie sur l'une et l'autre mer, c'est-à-dire d'une part la mer Tyrrhénienne et d'autre part la mer Adriatique, était protégée par deux flottes. L'une à Mycène, je ne sais pas si vous voyez Mycène, là, tout à fait dans le sud,
détroit de Mycène, c'est le détroit qui sépare la Sicile de l'Italie, de la Pote, hein, continentale. L'autre, à Ravenne. Alors, Ravenne, c'est sur la côte adriatique, mais beaucoup plus à l'est, donc beaucoup plus au nord, en se rapprochant de Venise, si vous voulez, hein, au nord. Et la côte de Gaulle, la plus voisine, par les vaisseaux de guerre qu'Auguste avait pris lors de sa victoire d'Actium, 31 avant Jésus-Christ, c'est la bataille où il remporte la victoire sur Antoine, et envoyé à Fréjus avec de bons rameurs, donc dans le sud de la France. Mais la principale force était sur le Rhin, d'où elle contenait également les Germains et les Gaulois, et se composait de 8 légions. Les Espagnes, alors on dit les Espagnes à cette époque-là, parce qu'il y avait plusieurs provinces en Espagne. Les Espagnes, oui, il y avait l'Espagne, l'Hispania Sisterior et l'Hispania Ulterior, celle qui est près de Rome, donc près de la côte, et Ulterior, celle qui est plus loin. Alors, les Espagnes, dont on n'avait que depuis peu achevé la conquête, étaient occupées par 3 légions. Juba régnait sur les Maures. Oui, parce que là, vous avez des rois qui sont amis ou qui subissent un protectorat. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué, donc sur les Maures. Les Maures, ça se trouve donc dans le nord de ce qu'on appelle le Maghreb, à l'heure actuelle, hein, les Maures, qu'ils avaient reçu en présent du peuple romain. Le reste de l'Afrique était gardé par 2 légions. Alors, l'Afrique, faites attention, l'Afrique, ce n'est pas le continent africain, puisque les Romains ne possèdent en fait que les côtes, en gros, avec la Libye et évidemment il y a l'Égypte. Ce que l'on appelle l'Afrique, c'est cette province riche qui correspond au nord de la Tunisie aujourd'hui. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué ça de la même manière que quand on parle de l'Asie à l'époque des Romains, ce n'est pas l'Asie jusqu'au Japon, bien entendu, c'est ce territoire qui se trouve à l'ouest de l'Anatolie, donc à l'ouest de la Turquie actuelle. Donc ce n'est même pas la totalité de la Turquie. Vous voyez, sur la carte murale que vous avez là, il est marqué Asia, vous voyez, territoire qui est en jaune et vert. C'est seulement ça, l'Asie. Et puis alors, par extension, par métonymie, ça couvert l'ensemble du territoire. Alors, l'Égypte, par un même nombre, donc 2 légions. Ensuite, les immenses contrées qui, à partir de la Syrie, s'étendent jusqu'à l'Euphrate, n'avaient que 4 légions pour les tenir en respect, ainsi que les peuples limitrophes, ibères, albanais et les autres rois que notre grandeur protège contre les puissances étrangères. Donc, je vous ai parlé des protectorats, vous vous souvenez, 4 statuts pour les territoires conquis par les Romains. Un, l'Égypte, qui est pratiquement la propriété privée de l'empereur, enfin, propriété de l'empire lui-même, hein, mais c'est un bien patrimonial, pratiquement, c'est géré comme tel. Vous aviez ensuite les provinces impériales, les provinces sénatoriales, et quatrièmement, les protectorats. Donc, il parle d'eux ici. La Thrace était sous la garde de Remetalkès et des enfants de Cotys, donc c'est un protectorat. 2 légions en Pannonie, la Pannonie, ça correspond maintenant à ce qu'on appellerait la Hongrie. 2 en Mésie défendaient la rive du Danube. Alors la Mésie, ça correspond en gros, à la Bulgarie, si vous voulez. Hein. Autant placé en Dalmatie, la Dalmatie fait partie maintenant de la Croatie, vous connaissez l'histoire et un Dalmatien en tout cas, se trouvait par la position de cette province en seconde des précédentes, et assez près de l'Italie pour voler à son secours dans un danger soudain. Rome avait d'ailleurs ses troupes particulières, 3 cohortes urbaines et 9 prétoriennes, levées en général dans l'Étrurie, l'Ombrie et le Vieux Latium, donc en Italie, et les plus anciennes colonies romaines. Oui, les plus anciennes colonies romaines, il faut savoir que l'Italie, à l'origine, avait été mangée ou grignotée par les Romains par la fondation de colonies en Italie même. Hein. Ce sont ça les colonies romaines. Il faut ajouter les flottes alliées, les ailes de cavalerie et les cohortes auxiliaires distribuées selon le besoin et la convenance des provinces. Ces forces étaient presque égales aux premières,
mais il serait peu sûr de poursuivre la recherche dans le détail, puisque, selon les circonstances, elle passait d'un lieu dans un autre, augmentait et parfois diminuait le nombre. Donc, je vous ai parlé de sédentarisation, mais il n'empêche que, suivant les besoins, les légions devaient quand même circuler. Mais il y avait quand même une sorte de stabilisation des légions, comme on a pu le voir il y a quelques instants. Alors, maintenant, le coût. Alors, avantages et désavantages. Avantage, c'est que la présence de légions dans certaines régions a été un facteur positif pour le développement économique de cette région, de ces régions. Parce que dès lors que vous avez des régions, ben vous avez un certain nombre d'activités industrielles et commerciales, l'artisanat qui vont, ces activités vont se développer, puisqu'il y a un marché consommateur. Pensez un petit peu, vous savez, quand on dit qu'on va fermer une usine quelque part, on voit bien entendu les ouvriers qui crient « on va perdre notre emploi », mais vous savez qu'en général, ça touche beaucoup plus de gens que simplement les ouvriers qui perdent leur emploi. Il y a tous les sous-traitants de la région, tous ceux qui travaillent pour l'usine directement ou indirectement, et puis vous avez tous les commerçants. Si vous fermez une usine, on va fermer les boulangeries, les épiceries, etc., etc. Donc, en fait, ça représente en général deux fois plus que le nombre d'ouvriers qui vont perdre leur emploi. Donc, ce sont des véritables régions sinistrées. Hein? Je pourrais vous donner des tas d'exemples en Belgique. Bon, voilà, Gosselies, je voulais le dire, mais bon, je ne vais pas trop finaliser les choses, mais enfin, oui, à Gosselies, quoi. Donc, inévitablement, voilà, alors on a beau dire qu'à l'aéroport, parce que l'aéroport va augmenter sa capacité, bon, voilà, mais donc, voyez, donc en fait, et donc en fait, les légions romaines étaient pourvoyeuses d'activités économiques. Évidemment, quand elles se déplaçaient, c'était pas l'idéal, mais normalement, elles se stabilisaient, mais il faut quand même pas oublier que les légions romaines, ça coûte très cher à l'État, 86 millions de sesterces. À l'époque qui nous intéresse, 86 millions. Or, les sesterces, il faut bien les trouver quelque part. Ça suppose qu'il y a ponction sur la population via les impôts. Et c'est une des missions essentielles du propréteur, c'est-à-dire du gouverneur d'une province impériale, de percevoir l'impôt. Et je vous avais expliqué qu'il y avait un système pour percevoir l'impôt, c'était une adjudication, hein, et ceux qui rentraient dans ce système-là, c'était les publicains dont il est question dans les évangiles, justement, qui étaient des gens qui étaient mal vus, c'était l'équivalent des gabelous à l'époque de Louis XIV, hein, ou des fermiers généraux, c'était des gens qui, comment dirais-je, versait immédiatement l'État une certaine somme, à charge pour eux de la récupérer, évidemment, avec une commission en se sucrant sur les populations. Donc ce n'était pas des gens qui étaient particulièrement, mais qui permettaient, en tout cas pour l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, de servir de tampon entre l'administration centrale, le roi et d'autre part la population. Donc les gens n'en voulaient pas au roi, ils en voulaient à ceux qui les... comment dirais-je, les... ceux qui pressaient le citron. Maintenant, comment se passait la vie des militaires? Comment se passait la vie des militaires? Il y avait plusieurs phases dans la vie des militaires. Il y avait tout d'abord la première, le recrutement. Alors, je vous ai déjà dit que le recrutement avait déjà connu un certain nombre d'avatars à l'époque républicaine. Le recrutement, ben, il se faisait tant bien que mal en essayant d'attirer évidemment les recrues potentielles. Je vous ai dit aussi que l'on va que le volontariat devenant insuffisant, il va falloir revenir à un système de conscription partielle. En
Ensuite, après le recrutement, oui, la durée, a déjà été mentionné, la durée du service, ça allait, en tout cas pour l'époque considérée ici, pour les deux premiers siècles de notre ère, entre 15 et 25 ans. Donc c'était nettement plus long qu'à l'époque républicaine. La vie du soldat consistait d'abord à les entraîner, donc à l'entraînement. L'entraînement, dans un premier temps, était lié à des tâches extrêmement pénibles pour muscler les légionnaires. Autrement dit, on leur faisait porter de lourdes charges, on leur faisait creuser des tranchées. Ensuite, dans un deuxième temps, on leur faisait faire des exercices sportifs. Et enfin, dans un troisième temps, on leur apprenait à manier les armes. Les armes qu'on leur faisait manier étaient plus lourdes que celles qu'ils allaient avoir entre leurs mains, parce que c'était des armes en bois. On ne leur donnait pas tout de suite des armes métal, en fer. Donc c'était des armes en bois, des épées en bois, des glaives en bois, ils avaient des boucliers en bois. Mais comme c'était plus lourd, ils s'habituaient à avoir quelque chose de pondéreux sur leur corps. Leur service, évidemment, consistait aussi à aller se battre le cas échéant, parce que quand même la vie militaire conduit à cela, c'est fonction essentielle des militaires. Et je vous ai dit à l'époque, la Pax Romana, c'est devenu quelque chose qui est plus essentiel, comme à l'époque républicaine, et comme ça le redeviendra à l'époque du Bas-Empire, parce que là, il faudra se défendre contre des ennemis extérieurs, tandis qu'à l'époque du Haut-Empire, les choses sont relativement stables, à part les régions que j'ai citées tout à l'heure, la Gaule, la Thrace et la Galilée-Judée. Et encore pour le premier siècle de notre ère. Alors, que faisaient les militaires pendant la journée? Alors, à côté de l'entraînement, ils avaient du temps libre aussi. Imaginez des soldats encasernés, enfin, si je puis dire, ils sont en fait dans des camps, en bois. Ils passaient, et là on en a des traces tout à fait sûres, on sait qu'ils passaient beaucoup de temps à jouer aux dés. Parce qu'on a retrouvé les jeux de dés. Il n'y a pas 36 choses à faire, vous savez, quand vous n'êtes pas à l'entraînement et que vous êtes militaire, que vous n'avez pas de femme, que vous n'avez pas de vie de famille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc pour tuer le temps, si je puis dire, à défaut de tuer d'autres individus, le jeu de dés était quelque chose qui était pratiqué régulièrement. Enfin venait, parfois après 20 ans, même souvent après 25 ans, ça dépendait de la catégorie à laquelle vous apparteniez, c'était souvent ceux qui appartenaient aux troupes auxiliaires, qui faisaient un service extrêmement long, certainement de 25 ans, si pas plus, vous étiez admis à la retraite. Il faut savoir tout d'abord que ceux qui étaient admis à la retraite n'étaient pas si nombreux que cela. Pourquoi? Pour des raisons qui sont liées à leur métier, mais aussi parce que sur le plan démographique, la courbe des âges, la pyramide des âges, n'était pas à cette époque-là celle qu'elle est aujourd'hui. Donc si vous rentriez à 18 ans, 25 ans plus tard, vous faites le calcul, vous avez plus de 40 ans, largement, dans quel état êtes-vous? Vous êtes peut-être déjà blessé, vous avez peut-être eu des coups de part et d'autre, donc vous êtes souvent handicapé, ça c'est la première chose. Faut se dire que 40 ans, c'était quand même un bel âge pour quelqu'un qui appartenait au peuple. Donc c'était des gens qui étaient sujets, évidemment, à toute une série de maladies. Il n'y avait pas encore de vaccin, pas tout ce que nous avons à l'heure actuelle. Ils pouvaient être sujets à la faim aussi, au froid. Nous sommes tellement habitués à avoir du chauffage et tout que, bien sûr, on pouvait faire un feu avec du bois, c'est clair. Mais enfin, les circonstances n'étaient pas toujours favorables à pouvoir vivre longtemps. Vous savez qu'à l'heure actuelle,
quand on voit la moyenne d'âge des sans-abri, même dans des villes comme Paris ou comme Bruxelles, elle est beaucoup plus faible que quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de sans-abri qui meurent à une cinquantaine d'années. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qu'ils ont souffert, le froid, la faim, qui n'ont pas pu aller se faire arracher une dent quand il le fallait, parce qu'ils ne se sont pas fait soigner, ils n'ont pas eu les médicaments dont ils avaient besoin à un moment donné, le corps s'affaiblit. Et vous voyez parfois des sans-papiers, vous croyez qu'ils ont plus de 70 ans, alors que parfois ils en ont 47 ou 48. Hein. Ils sont très marqués, très ridés, etc. Ils ou elles d'ailleurs. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Et en fait, vous allez vous rendre. Enfin, on sait qu'ils sont souvent beaucoup plus. Ils paraissent certainement 10 ou 15 ans de plus que leur âge réel. Vous devez imaginer que les légionnaires romains étaient un petit peu dans la situation. La même situation, quand je dis les légionnaires romains, c'était tous les habitants à cette époque-là. Hein. Sauf justement ceux qui appartenaient aux hautes classes, là on pouvait vivre beaucoup plus lourd, beaucoup plus âgé. Hein? Sauf si on était pris par une maladie incurable à cette époque-là, bien entendu. Donc si je vous dis ceci, c'est que vous vous rendiez compte qu'il n'y en avait quand même pas énormément qui arrivaient à l'âge de la retraite. Alors quand ils arrivaient à l'âge de la retraite, ils recevaient automatiquement la nationalité, enfin la citoyenneté romaine, pour ceux qui n'étaient pas romains. Mais il faut savoir que la citoyenneté avait été déjà donné aux Italiens depuis 90-89 avant Jésus-Christ, que les provinciaux vont avoir progressivement, ça dépend des régions, la citoyenneté qui leur est accordée, et alors sous le Bas-Empire, en tout cas, ou à la fin du Haut-Empire, à partir de 212, avec Caracalla, il y a un édit qui accorde la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire. Vous vous rappelez de ça? Je vais vous lire à un moment donné dans un cours antérieur. Voilà. Donc, vous avez un petit lopin de terre. Si vous avez pu faire des économies, vous avez un pécule. Certains ont participé à des pillages et donc un butin. Ils ont aussi un butin. Ils ont la citoyenneté. Voilà, ils ont... Ils n'étaient pas si mal lotis par rapport aux autres, hein, aux autres citoyens romains, voilà, aux autres habitants de l'Empire. Donc c'était quelque chose qui était recherché, finalement, d'être un vétéran. Le mot vétéran, c'était le mot qui leur était appliqué. Vétéran, vous savez que le mot vétéran s'utilise aujourd'hui pour dire un ancien militaire, on dit les vétérans du Vietnam, les vétérans d'Afghanistan, les vétérans d'Irak, etc., qui souvent sont dans un mauvais état, hein, quand ils ont sauté sur des mines, ou, hein, vous avez déjà vu ces vétérans, enfin pas tous heureusement, ou certains sont revenus du Vietnam complètement fous, d'ailleurs, hein, les années 70. Mais vétéran vient d'un mot latin, vetus, qui veut dire vieux, tout simplement. Vetus, au génitif, c'est veteris. Donc un vétéran, c'est un vieux, tout simplement, c'est un vieux. Donc moi je suis un vétéran d'enseignement. Si vous voulez, un vétéran d'enseignement. Maintenant, pour l'armement, ouf, le temps passe. Allez. Donc, je n'avais plus revu ma montre depuis un petit temps. Alors, l'armement, je vais aller très vite. L'armement défensif est beaucoup plus important que l'armement offensif. Donc, les Romains, les légionnaires disposent d'armes pour se protéger, donc des boucliers, ils disposent de cottes de mailles, ils disposent également d'armures faites de plaquettes, mais tout cela était extrêmement lourd mais efficace. Quand vous pensez que les cottes de mailles comprenaient plus de 200 000 petits crochets, des crochets. Les armures faites de plaquettes, donc tous des petits rectangles les uns à côté des autres, ça pesait certainement près de 15 kilos. Mais c'était efficace. Vous imaginez qu'il fallait quand même être fort, hein, parce que je ne sais pas si nous devions avoir encore quelques... Parce que non seulement vous avez ces 15 kilos-là, mais vous avez tout le reste. Vous savez, les Romains, quand ils marchaient, ils faisaient... leurs 60 km par jour, mais avec ce qu'on appelle leurs impedimenta, qui littéralement veut dire les empêchements. Ben oui, les empêchements, ce sont leurs sacs à dos, leurs armes, etc. Imaginez, ils avaient au moins 20 kg sur le dos et ils faisaient 60 km par jour.
Hein, ils avaient des chaussures, des sandales cloutées, qu'on appelle des caligula, ou caligulaï au pluriel, qui a donné des... Oui. Non, des cali... Non, non, des cal... Non, caligula, c'est le diminutif de... Caligula, c'est le nom justement d'empereur, qui voulait dire petite sandale, hein, comme vous savez. Hein. Caligula, donc des cagoul... Caluga. Ou des caligas. Enfin, voilà. Donc, c'était des caligas, qui étaient donc des sandales, et dont le diminutif est Caligula, donc est ce, cet empereur qui était adoré des soldats, des légions, quand il était tout petit, alors on lui avait donné le surnom de petite sandale. Voilà. Alors, à l'époque du Bas-Empire, puisqu'il faut que je me dépêche, 4e et 5e siècle de notre ère, fonction et activité. Retenez, on va aller à l'essentiel, que sur le plan militaire, il va falloir changer progressivement de stratégie et d'armement. Stratégie parce que, à cette époque-là, il y a des incursions de plus en plus à l'intérieur même de l'Empire, et que donc on va devoir caserner les soldats à l'intérieur de l'Empire et plus seulement sur le Limay, sur cette frontière du Rhin, Rhénane, sur cette frontière danubienne et à hauteur donc du désert qui borde la Syrie. Donc là c'est plus possible, l'Euphrate, ce qui avait été le cas à un moment donné. Donc on va devoir avoir des casernes à l'intérieur des terres pour se protéger lorsqu'il y a des incursions profondes. Et il va en avoir de plus en plus, déjà à partir de 250, vous savez donc à l'époque de ce qu'on appelait jadis l'anarchie militaire entre 235 et 285. Donc il va y avoir de plus en plus d'incursions, des Germains entre autres, mais pas seulement. Et là donc, changement de stratégie, changement d'armement. On voit que les Romains ont de plus en plus, ne sont plus offensifs, ils doivent se défendre, ils utilisent de plus en plus des machines de guerre, des armes de jet, des catapultes, etc., pour se protéger. Ils ne vont plus directement au front, ou quand ils y vont, c'est contraint et forcé. Les aspects économiques, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Il y a des régions entières qui vont être sinistrées, justement parce qu'il y a cette levée de l'impôt d'une part, et d'autre part, il y a des régions qui ne pourront plus tenir, parce que les soldats romains, comme ils sont pas payés, ils sont mal payés ou pas payés du tout, ils se payent en nature, c'est-à-dire qu'ils pillent. Ils pillent, évidemment, les granges, ils pillent tout ce qui a moyen de... tout ce qui permet de manger à sa faim, et par conséquent, les populations en sont profondément lésées. Le Bas-Empire est marqué par une réorganisation de l'armée. Je ne m'attarderai pas, faute de temps, sur... l'œuvre de Dioclétien. Pourquoi ? Parce que Dioclétien n'a pas fait grand-chose, finalement. Il y a une légende qui concerne la réorganisation de l'armée à l'époque de Dioclétien. C'est une vraie réforme politique que la tétrarchie, à partir de 285, mais sur le plan militaire, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. En revanche, à l'époque de Constantin, c'est-à-dire dans le premier tiers du IVe siècle, là, les choses changent. Il va réorganiser l'armée. Avec, il se méfie des préfets du prétoire, qui étaient les chefs suprêmes de l'armée. Il va les limiter à des fonctions logistiques, et ils seront donc doublés dans leur mission militaire par des maîtres des milices. À l'origine, il n'y en avait que deux. Un maître des milices pour l'infanterie, un maître des milices pour la cavalerie. À cela va bientôt s'ajouter un troisième maître des milices, qui était à la fois maître des milices de l'infanterie et de la cavalerie. Ce qui frappe aussi, à cette époque-là, c'est qu'il va y avoir une barbarisation de l'armée. Vous devez vous dire qu'à la fin du IVe siècle, par exemple,
exemple, tous les généraux de l'Empire, les maîtres des milices, justement, ce sont des barbares, ce ne sont plus des Romains. Des Romains barbares qui sont fidèles à l'Empire, par ailleurs. Hein. Parallèlement, l'empereur, enfin Constantin, donc, va donc établir un système pour sa garde rapprochée. Voilà quelques traits que je signale ici. Alors, voilà, je vous ai dit, je crois, l'essentiel, parce que sinon je vous retiendrai encore pendant une demi-heure, donc ce n'est pas possible. Alors, conclusion. Quel rôle l'armée a joué dans le déclin de l'Empire romain? Eh bien, c'est que cette armée a vu le nombre de ses effectifs augmenter, j'ai dit jusqu'à 450 000, ce qui est beaucoup, évidemment, mais ces effectifs sont de plus en plus difficilement trouvables. On doit recruter de force, les fils de militaires sont engagés d'office, des enfants, des lettres et des fédérés également. C'est quoi les lettres et les fédérés? En fait, ce sont des populations barbares qui se sont installées dans l'Empire, donc barbarisation. Les propriétaires fonciers doivent recruter sur leur propre terre un certain nombre de soldats. Sinon, ils doivent payer un impôt nouveau. Donc, évidemment, ils avaient plutôt tendance à les recruter sur leur terre plutôt que payer un impôt supplémentaire. Qualitativement, l'armée n'est plus aussi bonne qu'avant. Il y a de la corruption aussi. Et on peut dire que le relâchement de la discipline, de la vie militaire, le fait que les soldes n'étaient pas toujours payés, ce qui conduisait au pillage, tout cela a participé, sans être la cause, de la fin de l'Empire romain. Mais ça a été un des éléments, en tout cas, qu'il ne faudrait pas négliger. La fin de l'Empire romain s'explique, et d'ailleurs les historiens ne sont pas d'accord entre eux là-dessus, sur la fin de l'Empire romain. Les raisons sont militaires, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont multiples. Donc ça ferait l'objet d'un autre cours, bien entendu, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc retenez quand même que le déclin de l'armée a participé au déclin de l'Empire romain au 4e et surtout au 5e siècle de notre ère. Sans compter qu'à partir du moment où il va y avoir la division de l'Empire romain en deux parties, en 395, entre les deux fils de Théodose, donc d'une part Honorius et Arcadius, les Romains d'Orient vont avoir tendance à payer, c'est-à-dire d'user au maximum de la diplomatie et de payer les chefs barbares, pour aller voir du côté de la partie occidentale de l'Empire, plutôt que de rester le long de la frontière danubienne, menaçant ainsi l'Empire romain d'Orient. Donc l'argent, ce n'est pas de la corruption, parce que quand vous recevez de l'argent, quand vous êtes un chef barbare, et vous êtes étranger à l'Empire, et voilà, ce qu'ils voulaient, les chefs barbares, c'était avoir justement des monnaies sonnantes et trébuchantes. Donc c'était de bonne guerre, si je puis dire, d'utiliser la diplomatie plutôt que ses troupes. Mais évidemment, on ne peut pas parler vraiment de solidarité entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. J'ai dit...